partager, abonne-toi. Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rookie, le petit chien de la famille. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui ne le connaîtraient pas, ou qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh bien c'est notre petit chien qu'on a depuis 5 ans déjà, il a 5 ans, et c'est un Spitz nain allemand, il est trop mignon, trop gentil, trop mignon, regardez, on dirait nounours. Moi je l'adore. Alors bien sûr, cette vidéo, elle est un peu consacrée à lui, parce qu'aujourd'hui on va ouvrir ta box. Eh oui, t'as reçu une box, trop bien, trop bien, c'est le site Animal Box, alors qu'ils font les Woof Box et les Miaou Box, désolé, qui font, en fait c'est des box pour animaux, pour chiens et pour chats. Elle est là derrière moi, donc à l'intérieur il y a plein de produits, donc il y a environ 5 articles dédiés, donc là cette fois ce sera pour le chien. Donc ça peut être aussi bien des jouets, ça peut être des aliments, ça peut être des produits d'hygiène, enfin plein de choses à l'intérieur, mais qui valent beaucoup plus que ce qu'elle est vendue, parce qu'elle vaut à peu près une vingtaine d'euros. D'ailleurs, si vous voulez vous en procurer une, désolé, vous pouvez aller voir dans la description, là, il y a le site sur lequel vous pouvez commander. Et puis aussi, je vous affiche là, voilà, ici, un petit code promo pour bénéficier d'une réduction. Ce Rookie qui vous l'offre, c'est super sympa. Et puis bon, let's go, quoi. On l'ouvre ce box ou pas? Est-ce qu'on l'ouvre? Parce que Rookie, en fait, il l'a vu, puis il attend que ça, puis il commence à la connaître, la box, hein. Allez, on y va. Allez. Ah oui, juste petite précision. Désolée les amis, elle est un peu cradouille. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas la faute du site non plus. C'est en fait le facteur qui a pas dû en prendre grand soin et qui me l'a donné dans cet état là. Donc je pense qu'il y a un produit qui a dû couler. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Mais voilà, donc en gros, merci mon facteur, même s'il est très gentil, ben voilà, il a pas pris trop soin des affaires de Rookie, du coup, pour le coup. On l'ouvre ce box ou pas? Ok? Allez, c'est parti. Là, j'ai juste découpé, sans spoiler, et là, hop, hop, hop. Voilà, encore bien rempli ce box. Alors, on y va. Donc, on va mettre ça de côté, on va prendre le premier. Donc, comme dans toutes les boxes, il y a... le Woof Mag. Alors c'est un magazine avec plein de conseils pour ceux qui ont des chiens. Voilà, plein de conseils. Comment préparer ses vacances avec un toutou, super important, parce que nous on va partir en vacances et il va falloir qu'on le fasse garder parce qu'à la plage il a trop chaud. Donc voilà, donc c'est cool. Voilà, il y a plein de choses. Et moi j'aime bien derrière parce qu'il y a plein de photos des petits chiens qui ont ouvert leur box aussi. Moi j'adore, c'est trop choupinou. C'est trop bien. Oh, il est trop beau celui-là. Il est beau celui-là. Voilà. Donc bon, on continue avec la suite parce que Rookie me regarde. En fait, vous ne voyez pas, mais il me regarde en l'air comme ça. Tu l'ouvres ma box? Bon, allez, c'est parti. Alors, je prends le premier article. On va... Effectivement, il y a des poids, donc on va éviter de les sortir. Donc, au premier article, voilà. Donc, je trouve un petit paquet comme ça. Rookie me regarde déjà. Alors, ça s'appelle le Resto Pet Fries. Alors, sweet potato, 100% naturel. Alors, moi aussi, ce que j'aime bien dans ce box, c'est qu'il y a plein de produits naturels, sans additifs, etc. Donc, lui, composition, patate douce, amidon de patate douce, sucre de canne, glucose, huile végétale. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en manger. Donc, apparemment, il y a 40 grammes, ça ressemble... En fait, ça ressemble aux fritelles, en fait, les frites qu'on mange pour l'apéritif, quoi. Allez, je vais ouvrir ça. Hop, on met ça de côté. Et là... Donc, il y a. T'en veux? T'en veux? T'es trop bon! C'est pour moi ça! Regardez les amis! Là, je vous montre. C'est des vrais chips en fait! Des vraies frites en fait! Tiens! Tu veux? Allez, viens là! Allez, viens! Que ça a l'air bon! Que ça a l'air bon! Allez, viens! Assis! Assis! Hein? Allez, tiens, viens. Tiens, prends-le là. La Rookie, prends pas, il est bien dressé. Hein. Allez, tiens, va manger. Et tu vas me dire si c'est bon? Et apparemment, c'est super bon. On passe à l'article suivant. Le deuxième article, je prends celui-ci. Ouf. Alors voilà, ce sont des boulettes, je pense. Alors c'est quoi ça? Ce sont des sticks pour chiens de petite taille. Ça c'est cool, c'est juste pour toi. Petite taille. Ah oui, aussi vous pouvez choisir les box suivant la taille de votre chien. Donc ça c'est cool parce que le mien il mange pas des choses pour les gros chiens forcément vu sa taille. Donc ça c'est cool, c'est adapté vraiment à tout le monde. Enfin à tous les chiens plutôt. Alors bison arôme sauvage. Donc c'est du bison. Faible teneur en matière grasse.
Et puis, c'est un complément alimentaire. Et comment c'est... Ok. Bon, on va tester ça. Les Adventurous Sticks. Allez, c'est parti. Pardon. Hop. Alors, ça sent bon si ça sent mauvais. Parce que... Ça sent la viande. Ah, ça sent fort la viande. Je pense que tu vas... En fait, ça... Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air super bon. Alors viens ici. Waouh, regardez les amis. Miam, 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 miam. Alors c'est fourré à l'intérieur, je pense. Voilà, je pense que c'est fourré. Tu veux goûter, Rocky? Alors je pense que je vais pas tout te donner tout de suite. Parce que ça va faire un gros bout, là. Parce que s'il y a plein de choses à déguster, quand même, on fait attention quand même à ton poids. Alors tiens, loulou. Allez, viens le chercher. Mmh. Ouais, ça a l'air super bon. En tous les cas, ça sent bon. Franchement, ça sent fort. Mais ça sent pas conquête. Non, franchement, ça sent bon. Alors, tu veux quoi pour le prochain article? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai un gagné à ça. Hop, allez, encore de la nourriture. Soyons fous. Mmh, ça a l'air bon, ça m'a fait de plus en plus intéressé, dis donc. Alors, c'est des rotolini. Ah, c'est encore des petits compléments alimentaires. C'est à la panse. Mmh. À la panse. À la panse de quoi? Ah, à la panse de... À la panse de bœuf. Bon, bah apparemment tu dois y aimer, hein, c'est pour les chiens. D'accord. Ok. Sans sucre ajouté. Et sans sel ajouté. Donc ça c'est cool. On va utiliser ça. Ça va, ça sent pas si mauvais que ça. Hein. Regardez les amis, c'est les gros sticks. En fait, comme ça. On a des bâtons. On a des bâtons. Puis là, je vais lui en couper. Ouh là, ça se coupe bien en tous les cas. Je vais lui en couper un bout. Parce que sinon, ça fait un peu trop de produits à manger. Tu veux? Tu veux? Oui, tu veux. Oui, tu veux. Est-ce que c'est bon ici? Oui, tu veux un bisou avant. Tu veux un bisou avant? Non, tu veux pas? Ah, ça tire. Tu veux un bisou? Non, tu veux ça? Mmh, apparemment c'est bon, hein. Franchement, il adore. Suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça te plaît ça ou pas? Je crois que c'est le fautif de tout ce carnage là. Ouais, parce que en fait c'est de l'huile. Regardez les amis, c'est de l'huile. Alors je sais pas si c'est de l'huile à mettre sur les poils ou non, c'est de l'huile à manger. Alors c'est riche en oméga 3 et c'est pour mettre sur la nourriture. Donc voilà. Donc ça, apparemment, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les articulations, c'est vegan, c'est 100% naturel, donc c'est cool, voilà. Bon, ça, je vais pas y faire tester tout de suite parce que bah, il va falloir le mettre sur les croquettes, mais franchement, je connaissais pas et je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc on passe au suivant. Là, il reste des jouets, Rocky. Des jouets, tu viens? Suivant, donc qu'est-ce qu'on a là? Regarde, Rocky! Une petite tortue, trop bien! C'est une petite tortue trop chouquinette, elle est en espèce de... Bah, je sais pas, du cuir, du tissu, non, c'est du tissu. Mais c'est trop bien imité le cuir, elle est trop belle. Avec des petites cordes, elle est trop bien ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de l'herbe ou quelque chose dedans. Pour les chiens peut-être. Je connaissais pour chat, mais pas pour chien. Ça sent quelque chose. Elle est trop belle, regardez. Elle est trop cute. Tu me la prêtes pour mes clés? Non. Tiens, est-ce que tu la veux? Ouais. Est-ce que tu la veux? Oui. Ah. Allez, va la chercher. Ah, mais ils sont calpés, ils sont pas sautés. Allez, va la chercher. Allez, donne ton jouet. Allez, tu donnes. Ouais, trop bien! Allez, Rocky! Ouais! Trop bien, il adore la tortue. Apparemment, il adore ça. Bon. Alors, jouet suivant, parce que là, on a que des jouets maintenant. Donc là, on a une petite pochette. C'est... Ben, il y a beaucoup là-dedans, dis donc. Enfin, ce sont, je pense... Les pouettes. Plein de pouettes à l'intérieur, elle adore ça, Rocky. Alors, viens. Ah ah, ça, il adore, il a une gaga, ça. Allez, viens, tiens. Qu'est-ce que c'est, ça? Trop beau, j'ai un petit os. Oh, regardez, un petit os. Tiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, là? Une chaussure, une petite chaussure. Il adore ça, elle est trop belle, n'empêche, la chaussure est trop belle, tiens. Alors elle joue avec dehors, ça c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est, une petite fusée, un phare, je sais pas,
Hey, les amis, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Tiens. Oh, Rocky, il adore ça. Et là, un petit ballon de rugby. Oh, c'est trop beau, regarde. Il est trop beau. Tiens, elle va chercher. Elle va vite, elle va vite, elle va vite chercher. Va vite, va vite, va vite. Oh, Rocky, il adore ça, franchement, il adore ça aller jouer. Là, il va être parti pour l'après-midi. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Quand des poids de couette, la vidéo est complètement fichue avec lui. C'est pas neuf. Je pense que c'est la fin de cette vidéo, comme vous l'entendez, Rookie, bah ça y est, il est parti, il veut jouer. Donc les amis, Rookie, on s'entend plus. Ah super. Bon, on va vous laisser les amis, j'espère que ça vous a plu autant que ce que ça a plu à Rookie. Il adore, franchement, il adore ce nouveau jouet. On va vous laisser, et puis ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, et puis aussi à aller checker le site de Vox, Animal Vox. C'est super sympa à eux, en tous les cas, d'avoir pensé à Rookie. On vous fait des gros bisous, on espère vraiment, vraiment que ça vous a plu, et puis ben, que Rookie vous a plu aussi, du coup, c'était sa vidéo. Je vous fais des gros bisous, Rookie vous fait des grosses léchouilles, et puis en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao.